Je l'ai pas eu directement, Yacine, qu'un téléphone t'a fait parce que il est en récupération à Indo Humane. Il a eu un traumatisme crânien, donc il doit être à l'hôpital où ils doivent surveiller son état. Mais j'ai eu son représentant qui m'a dit que, alhamdoulilah, ça allait bien. Donc, dans 48 heures, il devrait sortir et il devrait aller mieux pour pouvoir nous rejoindre. Ensuite, l'idée d'y aller, c'est pas de faire beaucoup d'essais. On a une équipe, l'Iradia Mzien. L'idée, c'est que le groupe y grandisse, qu'on progresse. Chauffe-toi, on n'a pas choisi des matchs amicaux faciles. Contre l'Ebn Raïs, il des équipes où on va être en difficulté pour continuer à progresser. Et je voudrais le remercier parce que ben, si j'ai mis le Brésil fait le Maghreb, le Brésil a fait le Maghreb, l'histoire. Donc voilà, c'est des grands matchs où on va encore pouvoir progresser. La lignée de la Coupe du Monde, qu'on a des petites équipes, le Kbel, le Rabhoub Arbaak, l'État, Jmouri Frah, non. On se met dans la difficulté parce qu'on sait qu'on a des challenges qui nous attendent. Mais pour faire des essais, non. Si Bono il est apte, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est Mounir. Et ensuite, vous avez vu, Jibna Reda ou Ben Abid. Ben, je ne chauffe au Tiam à Ben Abid l'avenir. Ou voilà, Radin. Mais on est content des gardiens. Pourquoi changer? ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام